This is how we can do it. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, ça marathonne ici. On dit quoi? Bon réveil à tous. Bon réveil à tous. Les papas et les mamans congolais. Les papis et les mamans congolais. Ah, ça court là. Hein. Ça court. Ça court. Il court. Il court. La maladie d'amour dans le cœur des enfants de 777 ans. C'est comment? Eh, vous là, vous êtes sur ma part là, quand il vous dit bonjour, vous répondez. Vous répondez. Toi là, la vieille salope de Tom de Mousse là, était loupée hier sur la part de Bertrand. Vieille peau. Tu n'as pas de vie. Et Tom de Mousse, cette femme qui vient de s'attaquer à moi. Maman, il n'y a pas un homme qui monte sur toi. Parce que les femmes qui viennent sur les réseaux sociaux, c'est sur les bagarres. Les femmes qui viennent sur Facebook, c'est sur les problèmes. Là. Tu n'as pas un homme qui te secoue, qui mange ton corps là. Tu viens sur les problèmes sur Meta. Donc, moi, je te dis, il ne faut pas me chercher. Faut pas me chercher, oh, sinon tu vas me trouver. Oh. Faut pas me chercher, oh, sinon tu vas me trouver. Oh. Et ton délice, faut pas me chercher, sinon tu vas me trouver. Le matin, sortez du lit, allez faire du sport, allez marcher, allez faire quelque chose. Hein? Sortez du lit un peu, hein. Get out of your bed and go around. C'est toujours les blancs qui courent. Quand il faut whiteiser, whiteiser comme les blancs. Mais quand il faut se comporter comme les blancs, bien manger, faire du sport, prendre soin de sa santé. À ce moment-là, vous n'êtes plus les whites. Vous êtes seulement les whites pour whiteiser et tout dire. Je sais quand c'est pas les milieux noirs, les noirs. Ça, vous êtes fort pour dire ça. Quand il faut alors se comporter comme les blancs, là. C'est-à-dire que, on fait du sport, on mange bien, on fait attention, on est fidèle. Non. Vous êtes what? C'est seulement quand ça vous arrange. Quand ça vous arrange. L'affaire de Tatiana Conny et Compressor, c'est honteux. C'est une affaire assez honteuse quand même. Voilà deux vieilles femmes comme ça là qui discutent un homme. Mon Dieu. Il y a les gens même qui disent qu'ils supportaient tel, ils supportaient tel. C'est quoi cette honte? C'est quoi la honte là, mon frère? Deux gars. Eh, hey, Tatiana, toi aussi, franchement, toi, ça vaut même pas la peine avec toi, là. Tatiana conduit. Toi, tu reviens jusqu'à, on t'a poussé à dire que je veux conquérir mon mari. On peut maîtriser une femme comme ça, là. Tu n'as pas honte, toi, Tatiana, là. Tu es encore sur ça? Je vais récupérer mon homme. Un gars, franchement, vous, là, même le sida, vous pouvez, c'est-à-dire que vous êtes au niveau que même un homme peut avoir le sida, vous couchez avec lui. Là, c'est-à-dire que la honte, là, c'est-à-dire que, vous, là, voilà, du live. Si j'ai un jour baisé des femmes comme vous, là, je regrette. Voilà, il y a qu'un homme, il couche partout. Tu te dis même pas que ta santé, mon frère. Tu veux se dire que je vais le conquérir, c'est mon mari. Quoi, ça, lui, là?
Oh, shame. Papa, shame, shame. Vous êtes des, ce qu'on appelle la pitié, en fait. Ne mens pas. Quand vous, le gars là vous procure quel bonheur. C'est la tourmente, c'est quoi ça? Quand on parle de homme, mon frère, regarde le gars de Salomon Tchatché là. Regarde comment il respecte son gars. Regarde un homme. Le gars de Salomon Tchatché peut combo toutes les gars qu'il veut. Il a un, c'est un des gars les plus appréciés. S'il veut baiser toutes les filles de la diaspora là, il ne sait pas. C'est-à-dire qu'il ne connaît pas une gars qui peut le barrer. Parce qu'il a. Il n'a peut-être pas d'argent ou de papiers, mais il a un charisme qu'une gars ne peut pas le critiquer. Mais il a pris sa petite gars. Le couple se respecte. Vous savez, dans une histoire, un gars lui-même, il ne se respecte pas. Lui-même, il est là. C'est que quand il voit ça, il dit que merde. J'ai publié ça sur ma page, après j'ai même effacé votre histoire, je ne publie plus ça. C'est n'importe quoi ça. Les femmes qui ont plus de 40 ans, des vieilles filles qui ont des enfants, respectez-vous. Jusqu'à les gens prennent les côtés, pardon. La honte. La honte. Jusqu'à vous faire même les directs, je vais reconquérir mon mari. Celui-là, c'est quoi avec un mec bourré comme ça là? Non. Ma soeur fait des choses comme ça là, moi je la réunis. C'est cool. Mais ta soeur là, tu n'as pas honte? Et là, tu as été, c'est-à-dire que tu veux te servir de l'histoire là pour exister sur Facebook. Dans ton contenu. On t'a dit, ça c'est les conseils des gens, tout ton conseiller qui vient de faire ça, tu vas être blogueuse. Pour raconter quoi? Oh! Non. Si tu étais une fille, ben Lolo encourage. Hein? Ça, c'est quoi cette saleté? Quel mari? Tatiana Conny, c'est une femme qui est brutale. Elle aussi, c'est pas une gars. C'est une gars qui brutalise les hommes. C'est une femme violente. On doit lui porter plainte pour violence conjugale. C'est les femmes qui bagarrent avec les hommes. Ça, c'est quoi ça? L'amour, c'est la bagarre. C'est une gars qui bagarre. Bon, écoutez votre histoire là. Voilà. Je refuse même la monétisation. Je bats même la monétisation. C'est-à-dire que je ne veux même pas que. C'est-à-dire, même votre contenu là, il ne veut pas les deux sur ça. Tout à l'heure, j'ai publié ça, j'ai passé. C'est quoi cette connerie là? C'est quoi ça? Yeah. Là, ça l'était au. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Il y a les hommes partout, mon frère. Prends même ton beau d'ailleurs. Prends un petit gars là-bas, tu étais avec lui, mon frère. L'engrais fait les directs, elle dit que mon mari veut le conquérir. Ma chérie, c'est dit que c'est la honte, ce que vous faites là. Les gens vous regardent au Cameroun, disent c'est quoi ça? Yeah. J'ai dit que je refuse même de monétiser vos contenus là. Tatiana, tu fais honte, arrête ça. Arrête les conneries que tu es en train de faire. Arrête la bêtise que tu es en train de faire là, madame. Tu fais les diens pour dire quoi que tu vas reconquérir. Tu n'as pas de fierté. Hein? Mais Lolo, tu es en train d'encourager la bêtise. C'est pourquoi elle n'a pas d'homme dans sa vie. Encourager les saletés, quoi, c'est un délire. Voilà, j'ai honte. J'ai honte. Salut Nicole, salut Bertrand, salut à vous. Mes partenaires Bertrand. Non, c'est franchement, compression, moi je te dis un truc, hein, sors de là. Moi je te dis, compression, le gars là, tu es une fille, tu aimes bien le mariage, tu aimes bien. Trouve un gars comme Salomon a trouvé son gars. Compression, un homme, c'est le respect qu'il te donne. Un homme, c'est le respect. C'est-à-dire que quand on dit un homme, c'est le respect. Tu es resté trop. Hein? Tu es resté trop sur le charisme quand l'homme est beau, ça ne suffit pas. Le gars, Thierry, tu ne respectes pas. Tu lui dis ça. Le gars, c'est un bordel, mon frère. C'est un mec qui aime les femmes. Et ça lui plaît. Hein? Tu veux ta relation, love story, on peut sortir. Cible un gars. Tu as les abonnés, tu as même les gars, il est célibataire. Tu prends ton gars qui va te respecter, tu viens avec lui. Même Dicolo t'avait respecté par rapport à ce gars-là. Dicolo t'avait respecté. C'est n'importe quoi, ça. Et Tatiana, franchement, tu fais honte. Tu fais honte. Mieux, tu laissais même ça. Tu laissais accomplir ça. Tu fais ta vie. Donc, tu es devenue blogueuse parce que tu as eu de discuter le mari. Hein. Mais la vérité, c'est que toi, Tatiana, tu es une femme qui violente les hommes.
Tu es une femme violente. Hein? Le gars aussi, il ne te supporte pas pour ça. Tu es une femme avec un sale caractère. Écoute ce que tu viens de raconter sur un homme avec qui tu as été. Aucun respect. Voilà, et bête à noir et célibataire. C'est aucun respect. Pour moi-même, ce Thierry-là, tu l'as respecté quand? Hein? Tu as blessé le gars, tu as bagarré. Tu es une femme à problème, Tatiana Cornet. Tu es une femme. Tu es une femme belliqueuse. Des vieilles mains comme ça, là, mon frère. Des femmes qui ont des enfants, respectez-vous. N'importe quoi. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Tu es une femme, mon frère. On a pris un homme et alors, c'est le seul homme de ta vie. Après Thierry, là, tu étais avec les hommes. Parce que tu veux la Starmania, tu veux être connu. On t'a encouragé, viens être connu avec ça. Mais on se sert de toi pour faire la guerre. Si le gars t'avait choisi, pourquoi il ne peut pas baiser compresseur? S'il t'avait choisi, il baise encore ailleurs, pourquoi? N'importe. Eh, vraiment, il a dit que la honte sur vous, la honte, voilà. Arrêtez ça. Pardon. Compresseur, bat le gars là, tu prends un gars là. Tu prends un. Il y a les gars là, tu prends un gars, tu fais ta vie avec lui. C'est-à-dire que tu sors de là, tu la laisses avec ça. Il y a les hommes qui sont comme Thierry là, qui aiment le gars là, qui aiment les galos Josh. Moi j'ai des amis comme ça, ils adorent. Quand les femmes le discutent, ils se prennent pour David Beckham. Même ce gars-là ne vous respecte pas. Vous-même, vous ne vous respectez pas. La personne qui va sortir dans cette histoire sortira avec un peu de dignité. Pardon. La dignité là-bas, le prix sort de là. Il y a les gars ici dehors, pardon. Même un Sankaolo, tu prends toi ton Sankaolo. Tu que bébé, pardon, viens, c'est le bruit. Tu ne mets pas les pressions. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire que ce que vous faites là, c'est de la saleté. Je veux que même publier ça, et publie pas. J'ai coupé la vidéo, là, j'ai posté. J'ai passé encore. Je ne veux même pas l'argent dans votre histoire là. Ich! Mais parce que, mais tu poses la question, Tata Pauline, pourquoi il avait compris ça? Le gars, c'est un bordel, c'est un frivole. Il ne respecte pas. Même l'image de compression en tant que blogueuse. Quand il fait ça là, c'est pour finir sa carrière. C'est pour finir sa carrière. Tu sois avec une femme qui est connue. Tu viens encore, tu baises, tu viens coller une histoire comme ça là. N'importe quoi. Ich! Vous comprenez pourquoi on peut respecter? Vous comprenez alors pourquoi il y a les couples qu'on respecte ici dehors? On respecte le couple méchant. Monsieur méchant, dans le sens de l'amour, c'est quelqu'un qui aime sa femme. Tu ne peux pas voir monsieur méchant. Monsieur méchant, s'il voulait gérer l'Enga, c'est qui gère l'Enga? Voilà là où le président Amot, depuis qu'il avait Sanga, est-ce que vous le voyez dans les histoires-là? Monsieur Amot peut avoir l'Enga qui veut à la diaspora. Il peut baiser qui veut. Mais il respecte sa femme. Mais toi, compresseur, tu vas te mettre là que tu as insulté le président Amot. Est-ce qu'il est comme ça? Depuis que Amot est avec Sanga, il fait la love story. Là. Tu as vu comment il respecte Sanga? Une gars, mon frère, le titulaire à Tisa. Elle est fière, elle va raconter ça. Tu as les enfants. Moi, je vous dis que je vais vous framponner maintenant. Je vais vous framponner, vous allez arrêter vos conneries là. Deux femmes, quarantenaires, viens discuter l'homme, mon frère, à Paris. À Paris. Hein? À Paris, ici, y a les, tu es une dame même. Si tu as ta maison, tu as le travail, tu veux l'homme. Tu sors là, tu prends un gars là, tu le mets chez toi, tu gères, tu le laves. Tu le baises tous les jours. Le jour, il n'est pas content, tu le chasses. N'importe quoi, il te joue votre histoire là. J'ai joué ça sur TikTok. Et ben les gens étaient surpris. C'est quoi ça? Hein? Quand on a 40 ans, ou c'est 44 ans, on discute encore l'homme, mon frère. Il t'apporte quoi? Hein? Vous parlez d'un gars qui n'est même pas capable de vous donner 5000 euros. Un gars qui n'est même pas capable de construire, de faire quelque chose pour vous, mon frère. Vous dire, c'est le Dieu là. C'est le Bangala, mon frère. On a encore le goût du Bangala à un certain âge. Hein? C'est quoi? C'est-à-dire que vous et Facebook, les gens encouragent ça. Toi, Tatiana, tu penses que quand Lolo va venir t'encourager, c'est parce qu'elle t'aime trop. Hein? Lolo est en train de faire sa guerre avec ton poisson. Elle t'envoie que va encore séduire le gars. Tu peux dire que c'est mon gars. Oui, Seigneur. N'importe quoi.
N'importe quoi. Voilà, vous faites trop honte. C'est le nom de certaines personnes qui sont gâtées. C'est les gens ont gâté la diaspora. Ça, c'est quoi ça? Un gars n'est pas. Un gars te trompe, tu le jettes. Un gars te trompe, tu le jettes. Tu ne dis pas là-bas. En plus, le gars vous bastonne correctement. Eh, hey, Seigneur! Non! En plus, le gars, il vous tape. C'est que le gars, vous, il vous tape constamment. Eh, hey, Seigneur! Moi, j'ai une tante là. Ma tante. C'est pourquoi j'ai trop aimé ma tante. Moi, j'aime les gars qui ont un charisme. Les gars que l'homme ne marche pas sur eux, mon frère. Putain! Mais c'est quoi? C'est quoi le délire là, mon père? J'ai une tante là. Moi, j'ai trouvé ma tante là sur le côté là. Un homme ne marche pas sur ma tante là. Ton personne, tu es tellement mignonne, mon frère. Tu es tellement belle. Tu as besoin de ça? Le gars ne te respecte pas. Bête, tu prends encore Achille Dicolo. Sors de cette relation de merde. Bon. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire un truc. Au lieu de vivre dans une relation où le gars te torpille comme ça, peut-être que tu y as mon, peut-être que tu aimes le bangala du gars, tu aimes quand le gars te gnasse. Dès que tu prends un plan cul, dès que tu as un gars qui vient te gnasse, ça se limite là. Tu vois un peu, non? Donc c'est mieux, tu as un plan cul. Le gars vient, il te touma, tu aimes ça touma et ego. Mais quand on vient vivre avec un homme, mon père, il y a le respect dedans. Il y a le respect, il y a le respect. Tu appelles un gars, c'est mon homme, c'est mon fiancé, il te respecte pas, il baise l'autre pas. Il se couche, il se couche sur quel gars? Hey, dis-le. Non. Compresseur, le gars là. Il te respecte pas, je suis désolé. Tu es une gars que, tu as une team, tu es comme un modèle, tu as tes abonnés qui t'aiment bien. Tu as des abonnés. C'est-à-dire, il y a les gens qui te respectent. Tu ne peux pas vivre une telle relation et être un personnage public. Tu ne peux pas être une gars que les gens te respectent, les gens t'aiment bien. Les gens aiment ton affaire. Et un gars en train de te malaxer comme ça, là, tu acceptes. Non! Non, non! Tu ne peux pas vivre ça! Jamais! Il y a les gars qui te draguent là. Il y a les gars qui te draguent dans tes idées. Béta, tu cherches encore un gars, tu as ton yoxeur. Béta, tu as encore un gars que tu sais que bon, voilà, il passe à la maison, il pue là, et toi, tu aimes bien son affaire. Que le dire, d'accepter la relation, je suis en couple avec un tel un mec qui te piétine ta dignité comme ça là. Voilà, il bilaye. Quand le lot dit à Tatiana Corneille, va récupérer le gars, mais elle, pourquoi ne va pas récupérer Fondia? Pourquoi Lolo, tu ne peux pas récupérer Fondia? Hein? C'est-à-dire que toi, c'est les appels de balle que tu as encore appelé de faire à Stéphane. Stéphane vit l'amour. Hein? Lolo, tu ne peux même pas récupérer le gars là. Le niveau de l'homme de Stéphane Fondia, allez-y. Aïe, aïe, aïe. Le niveau de l'homme que le gars a fait de vivre. Oh! Là, Seigneur, Lolo, tu ne peux pas. Et ce qui est surprenant, c'est quoi? C'est que Tatiana a fait, elle monétise sa page, pourquoi? Parce que comme le gars là sur la monétisation des compresseurs, donc elle a créé d'autres sous de, c'est n'importe quoi ça. Donc elle a créé sa page pour que Thierry vienne aussi manger sa monétisation. Elle a monétisé carrément une page de compresseurs. Vraiment, salut les gens. Oui, bonjour du caméra. Bonjour. Non, c'est un peu. Vous m'en parlez, gars. Les gars, allez chez Waman. Vous faites l'annonce. Vous prenez un homme là-bas. Pardon. C'est honteux, ça. Je ne vous souhaite pas ça. Ouais, tu vas bosser ce matin. Tu vas où comme ça? Non, il ne bosse pas. Il m'avait sur ma bordel. Il m'avait sur ma bordel. Ok. Manga. Bah, je montais participer. Bon, c'est quoi le sujet? Ah, Bertrand, tu m'as écouté, non? Tu m'as écouté, c'est ça. Ah, Bertrand, pourquoi tu me fais souffrir, Bertrand?
Mais toi, Non, tu vas me non, trouver. comme toi. Ah, Ben, mon non, parce que bêta, mon moi, oui, t'as amour. raison, hein. Ben, t'as quel accord Non, avec c'est elle honteux. C'est honteux. C'est honteux. Mon confesseur, moi, je donne un conseil. Je ne suis plus encore une personne. Mais je dis, il faut une relation, il faut être ferme. Il faut, à un moment, on n'est pas émotif. C'est-à-dire, il n'y a plus de sentiments. Le gars, il te respecte pas du tout. Vous êtes Oui. dingue. Et l'autre, elle est belle. En plus, j'ai envie de coucher avec Tatiana. Mais je ne peux plus avoir envie parce que elle, ce qu'elle est en train de faire, honteux. Je vais le conquérir, mon mari. C'est quoi ça? Ouais, elle est encore amoureuse. Je vais le conquérir. Elle est C'est encore quoi amoureuse ça? de Thierry. Elle n'est pas amoureuse. Non, non, non. Elle Mais n'est il pas faut qu'on amoureuse. arrête de l'encourager. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'on l'encourage, Tatiana Lolo. Mais Lolo respecte elle est ton grand. Tu es une femme bracata. Est-ce que tu as vu ce genre de livre se mêler dans des conneries comme ça? Mais fais Elle un a plan, quoi faire? Tayam, non, Masters. Comment? Elle n'a rien Imite Tayam. à faire. Hein? Non, non, non. C'est l'oisivité. Elle n'a rien à faire. La, Parce qu'on va le la voir. respect. Fais comme Layam. Qu'est-ce qu'elle faisait là-bas? Que Tatiana a percé 1500 personnes. Ben oui, c'est normal puisque c'est le clash. Vous Le clash. l'encouragez à quoi? Faites quoi comme ça? Faites quoi l'encourager? Hein? Voilà Catherine Chou qui est venue sur Facebook. Wow. Maintenant, elle est en train de. Elle dit qu'on veut la rendre folle sur Facebook. Elle préfère quitter Facebook. Vous encouragez Tatiana Cornet à faire la même chose? Hein? Elle va devenir dingue aussi. Bon, de toute façon, Tatiana, ma chérie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu avais dit ici même que tu avais tourné la page. Ou bien, tu ne pensais pas à ce que tu disais ce jour-là. Tu nous avais dit que tu avais Non, tourné la non, page. non, 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 d'accord. Elle est restée dans l'écran parce qu'elle a une page. Elle veut qu'elle a 15 000 abonnés. Elle a acheté les abonnés parce que c'est une vieille. Franchement, le vous êtes trop mal. C'est vous qui avez encouragé l'engalade de une page. Mais toi-même, comment on appelle? Vous gagnez combien sur Internet? Toi-même, le tu gagnes quoi pour l'encourager? Ouvre une page, vous venez régler. Vous êtes malsain, non? Vous êtes malsain. C'est de vos histoires. C'est vous qui êtes allé encourager l'engalade. Ouvre une page. Mais pour faire quoi? Pour venir parler de ton pays. Vous voyez à quel niveau votre degré de pensant? Ouais, mais ça va donner quoi? Puisqu'elle n'a même pas de compresseur, ça donne quoi? Ça ne donne rien. Donc. Elle découvre ses vidéos, elle fait les liens et tout ça. Donc tout ça, voilà le conseil que. Comment j'appelle ta soeur de l'or là? Une vieille qui est en Allemagne là. Voilà le conseil que tu veux une femme qui a des problèmes avec un homme. Tu ouvres la page et tu vas la monétiser. Oui. Pour venir parler de ton professeur. Ouais, comme si elle avait Après ça, on beaucoup va la d'argent. Elle punir. travaille, cette bonne femme. Elle n'a pas besoin des miettes, Elle hein. travaille, elle a mis ses projets pour sa famille. Les conseils, tu vas conquérir Thierry. Thierry, c'est un footballeur, père. C'est un assistant. Hein? Bah, apparemment, Il n'y Ignace a est pas le bien. cas. Bah, il n'y a rien. Compression vraiment gauche et Waman, tu trouves un gars là-bas, laisse les histoires là. Ça te nord pas. Tu n'es pas une mauvaise fille. Tu aimes bien, tu aimes la relation. Tu veux vivre une relation comme Salomé qui accepte là. Mais le gars là, non, 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 non. Exactement, j'ai des amis comme lui là, qui aiment ça. Quel un gars le discute. Ça lui plaît, c'est un fantasme. Quel un gars le tient à gauche, à droite. Ouais, quand on fait les scènes pour lui. Mon frère, Thierry, l'homme, c'est pas ça. L'homme, c'est pas seulement le physique, tout ce que tu impressionnes un gars. L'homme, c'est le caractère. Il faut respecter. Tu Ben, as choisi du camel le ton poème, c'est professeur, c'est Tatiana. compliqué. Tatiana Non, Nwadaso va oublier Thierry et vivre autre chose. Non, non, Ouais. non, non. Le problème, c'est pas Tatiana. Le problème, c'est que Thierry ignore encore Tatiana. Parce que Tatiana, c'est lui qui paye les hommes. Elle le paye, elle le finance. Le gars ne lève pas les dos. Il sait qu'il n'a pas les dos derrière le compresseur. Tu penses que quand un gars fait ça, c'est pourquoi? Parce que l'engagé, il donne l'argent. Il n'y a pas. Donc, l'engagé, il ne paye son loyer. Tu attends, c'est lui qui paye. C'est là le gars qui donne l'argent aux hommes. Non, apparemment, c'est lui qui donne l'argent à Tatiana. Elle a dit ça dans son live. Ah, elle est ça. Tu connais les gens que. On peut dépanner une femme 200 euros parce que c'est après il va dire chérie, donne-moi 2 000 euros. Mais ben, quand tu es un bandit, tu es quand même un ancien, c'est mal. Ben non, je prends la personne au mot, hein. Tu me dis quelque chose, je vais pas dire que tu mens. Non, 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 non. Mais tu penses qu'elle va venir se descendre en public? Jamais. Tatiana, tu es une fausse gars, tu es une fausse fille. Tu te respectes pas. Si tu es une vraie gars, Tatiana, va sortir avec un autre homme, on voit. Tu vas faire la guerre de quoi avec ton prison? La guerre du gars du Bangala, c'est honteux. Mais Va tu restes trouver un autre comment homme, avec on elle, voit. non? Je voulais comment. Et le rapport, il est où là? Ben, tu peux réintégrer ton amour. Là, c'est la Non, plaie non, avec non, ton c'est une fausse. amitié. Non, 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 j'enlève ma candidature. C'est une fausse dame. Une dame qui vient pleurer l'homme, mon frère. J'enlève ma candidature. C'est une fausse fille, mon frère. Elle est venue pleurer l'homme. Eh, je vais récupérer mon âme. Récupérer quoi? Mais c'est bien, c'est beau. Elle pleure. Bon, dit qu'elle récupère son Elle âme. C'est la seule chose est en la qu'elle maison puisse parce dire. Hein. qu'elle a envie de se venger. Mon frère, c'est sale ça. Oh là 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 là. Les Camerounais sont trop belles. Voilà, vous avez même deux belles filles. Arrêtez ça. Pardon. C'est honteux. Je ne sais même pas pourquoi ils décrivent vos saletés là.
Confession est tellement classe. Confession, tu mets ton gars comme le gars qui a la barbe, là, le gars de Salomon, ou bien faire l'enlèvement à Salomon. Parce qu'elle même n'est pas aussi trop belle. Je ne vois pas. Elle a eu le gars. Salomon n'est pas trop belle. Qu'est-ce que tu vas prendre? Je veux qu'elle a la mis ça sur le réseau. La seule lapie de la toile. Ouais, vous voyez. Confession, fait l'enlèvement à Salomon, tu prends son gars là. Tu te coupes, c'est vrai que la magie. C'est l'enlèvement. Il dit que c'est sale l'histoire des dieux d'Allah. Voilà, je ne peux même pas faire la couture. Je ne peux même pas faire la couture de l'histoire là. Pardon. It's very dirty. Dieu d'Allah, confession, c'est trop classe. Et le gars, il ne te respecte pas. Parce qu'il sait que tu n'as pas le dos. Tatiana, elle prend son salaire, elle lui donne, elle paye sa maison. Mais oh, les gars ont parlé de quoi? Les gars du monde, ils ont parlé de ça, moi je vais publier ça. Quand tu prends au Cameroun, confession, tu prends ton petit directeur DG. Hein, si tu es moins en talent encore, il devait te brancher avec un gars. Mais l'homme est rare en France, c'est du Cameroun. L'homme est rare en France. Non. Dans là où tu es là, tu es l'homme, mais tu ne te rends pas compte. L'homme est rare en France. Mais je suis court. Je suis court. Je suis court. Ouais, non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est ça mon problème, les gars. Les gars grands, je suis court. Mais non, ben, coucou Emma, bon. Ça compte, hein. On se tient à une bonne tête. Voilà, ça compte. Non. Les gars, elle veut les gros gars. Et voilà, les gros gars, ils sont bordel. Mais non, c'est vrai qu'à Paris, en France, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, si Tatiana s'accroche, parce qu'elle n'a pas trouvé mieux. Ça laisse. Tatiana, moi, je te dis que tu es une bordel. Tu as le corollaire de tout. Tu es une salope. C'est quoi l'histoire là? Tu viens discuter là, une fille comme toi, elle est white. Elle est bien. Merci pour le soutien. Merci pour le caleçon. Tu viens discuter le bangala, mon frère. Tu n'as pas honte. Je vais te clasher, je vais t'allumer. Mais du coup, ça m'a l'air. J'aime pas ça. C'est pas ça. C'est ça, c'est ça, mon frère. Je vais conquérir mon mari. Tu conquères quoi? Mon frère, montre que tu es un gars. Va chercher un autre gars. Après, tu bagarres, et puis tu es violent, tu es une femme qui abuse des hommes. Parce qu'on a l'habitude souvent d'attaquer aux hommes qui violentent les femmes. Tu es une femme qui violente les mecs. Ouais, tu es un homme battu. Hein. On a oublié de dire que Sylvie était un homme battu. Pardon, voilà, toi, tu es une femme qui est une femme violente. Moi, je ne supporte pas les gars. Tu tapes les gens, ça ne veut pas dire que tu vas pas t'attaquer à moi. Donc, toi, tu es une connasse. Moi, je te dis ça. Si tu es un vrai gars, moi, je te dis. Go, on a pris le jour. Go chercher ta part, on voit. L'India, elle t'encourage, elle est en train de t'encourager. Elle gère le clash avec toi, hein. c'est pas l'amour. Hein. Donc, elle se sert de toi pour attaquer le compresseur. N'importe quoi. Il t'allume, il veut te jouer. Pourquoi c'est que comme ça, mon frère, pour le même what, on te voit dans une nouvelle relation, encore mieux. Tu viens encore là, compresseur. Ah, est-ce que quand le latteur des Camerounais nous dit on est trop fort au lit, donc bon, non, c'est naturel, donc, c'est qu'on va suivre maintenant, donc tu veux nous offrir maintenant le duo, donc c'est-à-dire que c'est la guerre qu'on va suivre maintenant sur Facebook, c'est Compression et toi, mais Compression ne répond pas, Compression ne répond plus à la guerre plus d'Angara, laisse pas dans ton film. Mais il ne faut pas que Lolo rentre dans cette histoire, Lolo ne rentre pas dans cette histoire. Non, Lolo, elle est toujours là. Après, elle va dire que je ne mets pas mon doigt. Elle est toujours dans les photos. Mon frère est en ligne. Elle ne peut pas. Donc, respecte ta manière, ma mise. Elle gère le clash. Dans ce panel. Elle gère le clash. Elle gère le clash. Fais comme ta yam. Fais un peu comme la yam. Tu restes à distance. Mais Bertrand, elle n'a rien à faire. Elle est obligée. Elle s'ennuie. Hein? C'est parce que tu es quand même une grande blogueuse, hein, Lolo. Attention. Voilà. Non, franchement, moi, je vous dis que dans toute la diaspora, le gars que je respecte trop le gars de Salomon. Mec, posez, mon frère, il n'est pas dans la polémique. Le gars, là, s'il voulait être une bordel, là, c'est qu'il baise toutes les filles qu'il y a ici, là. J'ai mis sa photo sur ma page, c'est au moins 6 000 likes. Il a apprécié. 6 000 personnes. Mais attendons qu'il rentre la Côte d'Azur et attendons maintenant que la monotonie s'installe. Hein. Donc. N'importe quoi. Non, moi, non, on ne veut pas ça. Bertrand, allume ton direct, je vais te suivre. Oui, tout à l'heure. Voilà. Tu es là, en fait. Allume. Non, je suis là, je vis, je suis dehors. Tu ne bosses pas demain? Je mange l'argent, Bertrand, je mange l'argent. Ah, c'est bien. C'est bien ça. Je mange l'argent. Donc, bon, allume, on va te suivre. Allez, chez Bertrand. C'est ce week-end. Ah, je vais aller. Allez, tout chez Bertrand. Moi, je coupe, je vis.
Je le suis. Ah, on va toucher Bertrand.